mythomane et t'es une balle cringue. Oh, oh, baisse tes mots, mon gars. Je vous présente le joker du régiment. Toi, commence pas. Qu'est-ce que tu montes la tête contre moi? Qu'est-ce que tu montes les yeux contre moi? T'étais là, t'étais dedans, t'étais resté dans le lien. Ouais, peut-être. Mais là, quand même, j'étais dans moi, l'ex de... Comment je suis dans le lien avec l'ex de ton meilleur pote. Désolé. En fait, ça se fait pas. En fait, t'as pris des ailes, toi aussi. Quelle est? T'as pris des ailes. Eh, redescends, je te le dis. Y'a pas de bon. Toi et moi, c'est nul, y'a rien. Mais oui, y'a rien. Basta, j'ai plus rien pour toi. Que la vérité qui fait. Y'a que la vérité. Y'a que la vérité. Sur le carnet est écrit à la page 32-3. Seb Dadji va montrer que c'est King et perd le battle avec mes conseils. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. C'était annoncé. On est capable d'assembler. C'est grâce à nous. C'est moi. Dadji. Je suis allé lui parler. Il m'a dit ouais, moi j'ai sauvé tes fesses, etc. Et t'as mis Mila pour avoir l'immunité. Donc soit il se calme, soit c'est la guerre entre moi et Nico, je te le dis. Moi, j'ai pas dit que je voulais t'écouter. Seb. Mais par contre, que je le sache, tu vois. Non, je sais, mais Seb. Oh, qu'est-ce que tu parles encore? Tu parles de qui, là? Ah, je parle de toi, là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je vous présente le joker du régiment. Toi, commence pas. Oh. Oh, c'est comme ça qu'il accueille. Tu viens ici, tu dis, ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Moi, il s'est rien passé. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi entre nous? Mais on a flirté. On a flirté, ok. Entre-temps, toi, tu viens de nulle part, t'arrives ici et tu me dis, boum, Anthony, vas-y, tiens, c'est mon ex. Mais c'est quoi le délire? Vous voulez me faire passer pour un bâtard ou quoi? C'est qu'en fait, Seb, t'es mon meilleur ami, tu me crois, tu me crois pas, je l'ai pas touché. Je te crois pas aujourd'hui. Bah, t'es pas mon ami alors. Parce que là, tu n'es pas mon ami. Seb, là, pour coup, je le trouve injuste et vraiment pas sympa. Parce que j'ai rien fait, il me laisse même pas le bénéfice du doute. Et je comprends pas pourquoi il s'acharne comme ça. Et je resterai sur mes positions jusqu'à la fin. Dadji, c'est télévisé. Attends, y'a personne qui est venu à part Mila. Y'a personne qui est venu à part Mila me proposer. Ferme-la! Je te jure que t'es occupé de moi? Tu t'es occupé de moi? Personne! Y'a que Mila qui est venu me voir. Seb, tu vas en jouer. Mila, t'as un problème avec moi? Ouais, ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Ça m'énerve ton comportement, en fait. Ça m'énerve ton comportement. Qu'est-ce qui t'énerve? Je vais parler derrière toi. Mais si, je parle derrière moi parce que c'est moi qui viens de te demander si t'as un problème avec moi, en fait. T'as pris des ailes, toi aussi? T'as pris des ailes? Redescends, je te le dis. Blablabla. Et tu fais un peu. Tu vois ce que je te dis? Non, bien pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je préfère régler les choses maintenant que les réglages. Mais moi, j'ai déjà réglé les choses avec toi, en fait. Anthony, reviens à la charge. Mais c'est pas que tu t'arrêtes, en fait. Je vais pas répéter cette histoire 100 fois. Oui, tu es un ex. On a tous des ex partout. Pourquoi tu veux pas assumer? Par contre, je vais expliquer un truc. C'est dans ma famille, donc fais attention. Non, mais attends. C'est dans ma famille. Ils n'ont pas de respect comme ça. Ils n'ont pas de respect? Si, ils n'ont pas de respect. Parce que là, je vais te dire un truc. Moi, c'est un mec qui a pas de limite. Ouais. T'es un joker? Le joker. Ah, la dernière, ma précédente aventure, c'était mon binôme, ça avait bien commencé. Mais maintenant, ça va plus du tout. On a perdu l'aventure, elle a fait que de me critiquer sur les réseaux, donc on se déteste. En plus de ça, elle est nulle en épreuve. Elle commence bien ton équipe, Nico, ouais. Mais toi, t'arrives pas à t'embrouiller avec elle, en vrai, tu la kiffes encore. Quand je t'ai malade ou quoi, toi, Maëva? Mais t'es malade. Non, je règle les choses parce qu'il y a des choses. Non, mais parce que moi, ça m'énerve depuis le début. Ça fait deux jours que je t'embrouille avec mon ex. Il me dit quoi? C'est pas mon ex, c'est ça que je suis en train de te dire. Ce n'est pas mon ex, Maëva. Ce n'est pas mon ex. Mais c'est pas de. Tu connais ou pas? Durant cette soirée, Seb, je le trouve complètement ridicule, gênant. Et je me cache pas de lui dire. Du coup, moi ça m'énerve parce que lui s'emporte contre moi, alors que s'il y a bien quelqu'un qui doit s'emporter, c'est moi. Famille, elle commence bien là. Gros problème. Soit moi je fais 3 jours, soit tu fais 3 jours. Fin de l'histoire, je m'en bats les couilles. Au pire, je fais 3 jours. Seb, c'est bon. C'est bon, t'inquiète pas, j'en ai rien à faire. Parfait pour toi. Seb. Voilà. C'est pas ça, juste avant, il a dit c'est bon, on va gagner. C'est grâce à moi. Une meuf, elle arrive et ça y est, c'est fini, tu veux rentrer à la maison? Pour moi, le mot ex, c'est vraiment quelqu'un que j'ai aimé. C'est quelqu'un qui a compté pour moi, et Anissa, j'étais pas avec. Donc au bout d'un moment, je veux bien être gentil une fois, deux fois, trois fois, mais là, c'est trop. Conseiller au téléphone avant l'aventure ou pas? Bah ouais, justement. Et après, voilà. Tu m'as rappelé, moi, je t'ai pas répondu. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ouais, t'as parlé stratégie. J'aime pas être ouais, bien, on se met en couple. J'aime pas, allô. Comme ça, tu m'as renommé. T'as pas dit ça?
En fait, je comprends juste pas pourquoi Anto il me mentirait. C'est un mytho, frère, arrête, il a déjà menti mille fois, arrête, c'est un mythomane ce mec, arrête. Tu me rends fou là, d'où moi je te mentirais? Toi t'es un fouteur de... Non, je t'en fous, hey, mon gars, ne mélange pas dans ton milieu, je suis pas dans ton milieu. Y'a pas à faire le malin avec moi, fais pas le malin avec moi, pourquoi tu mens? Non, non, c'est pas pour ça. Pourquoi tu mens? Fais pas le malin avec moi, Anto, je vais te fais pas le malin avec. Mais frère, je vais faire mes valises, je vais casser. Ça sert à rien de parler ici, ça sert à rien de passer parler ici. T'as compris ou pas? Ça sert à rien de parler ici. Tu sais pourquoi tu fais le malin? Sur les deux yeux de ma mère. Arrête de faire n'importe quoi. Non mais là j'hallucine. Là il y a Anissa qui me dit qu'ils ont essayé de faire un complot avec Anto pour me faire marronner. Et là très clairement je suis complètement perdue. Moi je me prends pour qui? Moi je me prends pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais rondez ça. Non, y a pas de ça, je te prends moi loin. Y a rien du tout, mon pote. L'annihilateur sur toute la ligne, mais bien sûr, monsieur, c'est tout. Au lieu de s'excuser, eh ben qu'est-ce qu'il fait? Il s'excuse pas du tout, il en rajoute. Voilà, il en rajoute. À la fin, poteau, tu fais des choses, assume. Non, non, je t'explique, je vais te manger comme une merguez. Mais il va qui arrive en furie. C'est reparti pour un tour. Bang, bang, showtime. Et là, ça va partir en quelqu'un. J'ai dit, je voulais pas le dire, je voulais pas lancer la bombe parce que je veux pas casser votre truc. Mais quelle bombe tu parles? Y'a pas de bombe. Toi et moi, c'est nul, y'a rien. Mais oui, y'a rien. Basta, j'ai plus rien pour toi. J'ai rien pour toi. Zéro, nada. Je m'en fous de ta vie. Madak pète un câble. Mais moi, c'est ce qu'elle a pas compris. C'est que j'en ai rien à faire. Parce que j'ai fait exprès de perdre. Natalia, je l'aime pas, je veux qu'elle sorte. Un point, c'est tout. Je vais t'éliminer. You're fired. C'est Mikasino qui ne dormira plus jamais sur ce canapé. Vas-y, parfait, il est là, vas-y, parle-lui maintenant. Ah, les gars, c'est nerveux. Fais pas le nerveux. Non, mais les gars, c'est nerveux. Fais pas le nerveux. Tu crois que tu fais peur? Fais pas le nerveux. Reste calme. Reste calme. Les gars, arrêtez là. Fais pas le nerveux, je fais peur. Est-ce que j'ai fait quelque chose avec cette meuf? Frérot, je l'ai déjà dit, je t'ai pas vu. Mais je sais, il y a eu rapprochement. T'étais là, il y a eu rapprochement, frère. T'étais là, t'étais dedans, t'étais resté dans le lien. Ouais, mais là, quand même, j'étais dans le lien de. Comment je suis dans le lien avec l'ex de ton meilleur pote? Quand même, ça se fait pas. Allez, vas-y, vous êtes fatigué. Quoi? Pourquoi je sais pas de quoi? Je reste calme, mon frère. Reste calme, frère. Je te dis, t'es ta bouche. Ta mère, comment ça, ta mère? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, une pomme de terre. La tête de ma mère que non. Allez, mais calme-toi. Je suis pas pour ça, je m'en bats les noix. Voilà, c'est bon, j'en ai marre des mensonges, des trucs, des fadas. Pour moi, t'es un mythomane et t'es une balle tranquille. Oh, oh, pèse tes mots, mon gars. Non, c'est soit elle, soit moi, frère. Tu tires plus à l'arme. Profite du Portugal, parce que tu vas vite rentrer à la maison. T'inquiète pas, j'ai vu, t'inquiète pas, c'est soit toi, soit moi, t'inquiète pas. Coucou, Natania. T'inquiète pas, tu vas pas sauter. Toi et moi, on sera jamais amis. Ah ça, c'est sûr. Pourquoi t'es resté? Y'a que la vérité qui vient. Y'a que la vérité. Y'a que la vérité. C'est bon, on fait les sectés. Allez, va twerker là-bas. Après, je sais pas. Frère, t'es dans le noir avec une meuf. Tu peux pas t'empêcher. On te connaît tous. Mais pourquoi tu dors en calbar avec une meuf que je fréquente en string dans le noir pendant 3 heures? Allez. Pourquoi tu as fait? Alors que t'es un chien. Mais Ilan, t'es un charreau, tu le sais. Ouais, mais j'ai changé. Non, t'as pas changé. Toi, Qu'est-ce que tu fais le malade, toi? Qu'est-ce que tu montes les yeux contre moi? Je viens de parler, qu'est-ce que tu montes les yeux contre moi? S'il vous plaît. Je crois que tu fais peur, tu reviens. Quoi, tu fais le malade, toi? T'es qui ici, toi? T'es un tac.